les commandes. Ah, voilà. S'allonger ou attaque au corps à corps. Et salut le live! J'espère que vous allez bien. On va voir ce que ça donne parce que je suis pas un pro, mais d'abord la bonne nouvelle, le monde pète le feu. On a une guerre civile en Russie, gouvernement contre ultranationaliste et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine quoi. Khaled al-Assad, actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro 1 là-bas. Les services secrets l'ont à l'œil. Et la mauvaise nouvelle? On a un bleu qui arrive aujourd'hui, tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. Content de te voir, mon gars. Prends un fusil sur la table. Hop. Bon, je suis arrivé. Bon, ça va pas être très très long, c'est juste histoire de faire un petit live. Tu connais la chanson. Va au poste 1 et mets-toi en position de tir. Maintenant, position de tir, Saup. Maintenant, tire sur toutes les cibles en utilisant la mire. Merveilleux! Maintenant, tire sur les cibles en utilisant la visée normale. Je vais couvrir les cibles avec un morceau de contreplaqué. Je veux que tu touches les cibles à travers le bois. Bien! Je vais pénétrer les matériaux fins et peu résistants, comme le bois, le plâtre et la tôle. Maintenant, les cibles vont sortir l'une après l'autre. Touche-les toutes le plus vite possible. Tant que tu vises la cible, tu peux tirer dessus en prenant et en quittant à plusieurs reprises ta position de tir. Ça, c'est bien. Maintenant, prends une arme de poing à l'arsenal. Je sais que je suis plus habitué à la manette de PS4, donc... Ah, vu qu'elle me sert plus trop, la manette de PS4, pour l'instant. Alors, l'arme de poing, le poing. Bien, maintenant, prends le fusil. Maintenant, sors ton arme de poing. N'oublie pas, il est plus rapide de sortir ton arme de poing que de recharger. Utiliser ton couteau est plus rapide que de dégainer ton pistolet. Plante la pastèque. Joli, t'es un vrai tueur de fruits. Le capitaine Price veut te voir. Oui, il commence à faire un peu chaud. J'arrive. Bon, je suis pas très loin, mais c'est juste histoire de mettre un peu mon ventilo. Bah, désolé, il fait du bruit, mais c'est à cause du chat. Elle me l'a fait valdinguer. Hein, toi?
C'est le nouveau, chef. Allez-y doucement avec lui, chef. C'est son premier jour ici. Ah, c'est vrai. C'est quoi ce foutu non-soupe? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections? Soap, à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Gaz détient le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. Escalade l'échelle qui est là. Prends ce MP5 et 4 grenades flash. À mon signal, tu descends sur le pont et tu fonces à la position 1. Ensuite, tu prends l'escalier d'assaut et tu rejoins la position 2. Puis tu vas aux positions 3 et 4 en suivant à chaque fois mes instructions. Attrape la corde quand tu es prêt. Go, go, go! Attaque les cibles! Tire sur les dernières cibles. Position 2, allez! Attaque les cibles! Grenade flash dans la porte! Grenade flash! Allez! Attaque les cibles! Six, allez! Grenade flash dans la porte! Grenade flash! Grenade flash dans la porte! Grenade flash dans la porte! Attaque les cibles! Dernière position, allez! Foncez, vous y êtes! Oh, vous êtes. Attrape la corde quand tu es prêt! Go, go, go! Attrape les cibles! Position 2, allez! Attaquez les cibles! Grenade flash dans la porte! Position 4, attaque les cibles! Position 5, allez! Attaque les cibles! 6, allez! Grenade flash dans la porte! Attaquez les cibles! Dernière position, allez! Foncez, vous y êtes! C'est bon, Soap, ça suffit, t'es reçu! Escalade cette échelle si tu veux réessayer! Sinon, dirige-toi vers les écrans de contrôle pour un débriefing! Messieurs, la mission cargo est lancée. Préparez vos affaires. On décolle à 2 heures. Rompez. Ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête. Oh bah, une deuxième classe, on verra bien. Ah bien, si je crève, bah je passe le niveau de difficulté. Hein. Équipe Bravo, nos renseignements viennent de notre informateur en Russie. Le colis est à bord d'un cargo estonien, immatriculé 52775. Présence d'un équipage réduit et de sécurité à bord. Règles d'engagement. Équipage sans importance. On va me dire aussi si le son est trop fort. Escalier, ok.
garçon. Ennemi à terre. Cible neutralisée. J'ai même pas le temps de tirer. Pas d'ennemis en vue. Avancez. On continue. Pas de mouvement. Gaz à droite. Je m'en charge. C'est tranquille. Restez concentrés. Pas d'ennemis en vue. Regroupement. Prêt. Go. À gauche, RAS. À droite, RAS. On y va. On va peut-être prendre voilà. Je pense que j'y arriverai peut-être mieux comme ça. Ah!
reçu. J'ai un signal fort, capitaine. J'aurais bien envie de vous faire une petite note Life PS3. Pas sur quel jeu. C'est en arabe. Vivo ici, Bravo 6. On l'a trouvé. Prêt à transporter le colis. Pas le temps, Bravo 6. Deux diables foncent vers vous. Prenez ce que vous pouvez et foutez le camp. Déplacement rapide. Sûrement des MIG. On devrait filer. Saut, prenez le manifeste dans le conteneur. Vite. Bon, tout le monde sur le front supérieur. Maniez-vous. Walcroft, Griffin, quelle est votre situation? Déjà dans l'hélicoptère, capitaine. Avion ennemi en approche. Oula. Bravo 6, répondez. Bravo 6, quelle est votre situation? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Le navire coule! Il faut partir! Vite! Bravo 6, répondez, répondez. Oiseau de nuit ici, Bravo 6, on est en route. Debout, soldats! On dégage! Sur les passerelles! Allez, allez! Bougez-vous, allez! Relevez-vous! En avant! Monsieur la flèche! Allez, allez, avancez! Ils arrivent! Allez, allez! Attention, les tuyaux! Ah putain. À droite, à droite. On n'a plus le temps. Allez, vite. Avancez. Il est ouvert. Sautez. Non, je tiens. On est tous à bord, allez. Bien reçu, on dégage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir? Parce que là, je suis branché de façon à faire de la PS3, donc j'essaie de voir tout. Voiture en approche. Continue de chercher. Quelle est la papata? C'est qui a mon petit chat? Jamie, I'm another one. We have a lot of. Liam, cool, Shabba,
Ah bah y'a la Mimada. Y'a la Mimada qui est là. Est-ce que j'étais toujours saut? En tout cas, c'est plaisant de pouvoir jouer à la PS3 avec la manette de PS4. Ça fait un peu bizarre, mais on s'y fait. Ben, j'accroche mieux au niveau des sticks. Hein. Je vais rajouter les petits trucs par-dessus. Elle aurait bien servi quand même cette manette-là. سنقوم باللقاء بالقضوات على بلادهم كما هم يفعلون ذلك بالضبط. هكذا ابتدأت. Capitaine Price, Al-Assad vient d'exécuter le président Al-Fulani en direct. Les Américains se chargent d'Al-Assad, et on ne peut plus rien pour Al-Fulani. Mais dans moins de 3 heures, nom de code Nikolaï sera exécuté en Russie. Nikolaï. Nikolaï est notre informateur chez les ultranationalistes. Il a fourni les renseignements sur l'opération du cargo. Nikolaï est grillé à présent. On doit le sortir de là. On s'occupe de nos amis. On y va. Les loyalistes nous attendent à 500 mètres au nord. En avant. Les loyalistes, hein? Et eux, c'est les bons Russes ou les mauvais? Eh bien, ils ne nous tireront pas dessus à vue, si c'est ce qui vous intéresse. C'est déjà beaucoup. Merci. Feu à volonté. Ennemi à terre! C'est sûr avec ce jeu! Открытый вар! У нас сражение! Bon boulot. Il doit rester quelques gardes là-haut. Kamarov et ses hommes nous attendent dans un champ au nord-ouest. Khaled Al-Assad a dirigé en personne l'exécution devant les caméras de télévision, accusant Al-Fulani de placer les intérêts étrangers avant ceux de ses compatriotes. La date et le lieu de l'invasion américaine ont été maintenus secrets pour des raisons de sécurité. Cependant, le secrétaire de la Défense a déclaré que les forces déployées seraient importantes, afin qu'Al-Assad ne puisse plus déstabiliser la région par son expansionnisme militaire. Et moins d'un jour après que la télévision ait diffusé l'exécution du chef arabe destitué Yasser Al-Fulani, les marines américaines stationnées dans le golfe de Persique ont été exécutées. Son successeur, Khaled Al-Assad, a dirigé en personne l'exécution devant les caméras de télévision, accusant Al-Fulani de placer les intérêts étrangers avant ceux de ses compatriotes. Comme l'Ethernet n'est pas connecté. C'est quoi ce bordel? Ah. Ah, il y a un petit souci là.
Arrêtez la bombe. Il est gâté des Popetko. C'est sur la mer que tu as joué. Ça fonctionne pas aussi. Bon, je vais pas tarder à m'arrêter après moi. Tu sens ça, gaz? Ouais, Camaro. Bienvenue dans la nouvelle Russie, capitaine Price. Quelle est la cible, Kamarov? On a un informateur à récupérer. Les ultranationalistes ont des BM-21 de l'autre côté de la colline. Leurs roquettes ont tué des centaines de civils dans la vallée. Pas si vite. Beyrouth, ça vous rappelle rien? Vous venez avec nous. À charge de revanche. Et pas qu'un peu! Vanya. Avance et prépare-toi à attaquer. Attends mon signal. Par ici. Votre sniper pourra bien couvrir mes hommes d'ici. Groupe de snipers en position. Gaz, couvre le flanc gauche. Compris. Je couvre le flanc gauche. Et notre informateur, il a plus beaucoup de temps. Alors aidez-nous.
Plus mes hommes avanceront dans ce village, plus on se rapproche de votre informateur. Ah mais non, putain, ils sont devant moi. Où est l'informateur? Je t'en tire, je t'en soumets, cher. Où est-il? Je t'en souviens pas. La maison au nord-est du village. Ça s'est bien passé, non? Allez, va t'asseoir au coin. Sauf gaz. On doit rejoindre cette maison avant qu'il n'arrive quelque chose à l'informateur. Allez. Avec ses lunettes infrarouges, c'est trop facile. Открытие вражеские войска! Саша! Ты здесь? Саша! Позовите на помощь! Он ранен! Ah putain, et je prends cher. Что вы хотите? Что вы? Спецвойска? C'est lui. Nikolai, est-ce que ça va? Vous pouvez marcher? Oui. Et je peux me battre. Merci d'être venu me sortir d'ici. Oiseau de nuit, ici Bravo 6. On a le colis. Rendez-vous sur la ZA1. À vous. Bravo 6, ici Oiseau de nuit. On
déjà en route. Terminé. En avant, en avant! Ah, qu'est-ce que c'est, mon TikTok? Bon, on va s'arrêter pour cette première partie, ça aurait été court, désolé. Les Américains ont lancé l'attaque contre Al-Assad ? Non, l'invasion débute dans quelques heures, pourquoi ? Les Américains commettent une erreur, ils ne prendront jamais Al-Assad vivant. Faut que je fasse quelques trucs avant d'aller prendre ma douche. Et soit bon, on verra, on continuera ça ou est-ce qu'on fait autre chose, hein, ça sera vous. Je vais poser quelques petits jeux que je sortirai. Mais là, je pense que je les mettrai peut-être les rediffs sur YouTube. Alors, sauvegarder et quitter. Bon, bah voilà, les petits amis. Bah, on se donne rendez-vous ce soir 20h, hein, bien sûr. Hein. Voilà, voilà. Merci à tous. Merci à ceux qui regarderont aussi cette petite vidéo sur YouTube. Je pense que je vous ferai la